L'africanisme et la renaissance africaine, c'est sous ce thème que l'Union africaine a célébré le 25 mai dernier ses 50 ans d'existence. 50 ans après, que peut-on retenir de cette organisation? Élément de réponse avec David Martial Moussa. Créée en remplacement de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine est une institution qui a pour but principal d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du NEPAD. 50 ans après la création de cette organisation, plusieurs défis restent entiers en dépit de la volonté exprimée par les dirigeants pour booster son intégration. Au nombre des écueils qui freinent son décollage, le financement du NEPAD, des querelles ou disputes concernant la présidence de l'organisation et de la commission. À cela s'ajoute le punais problème de l'impuissance de l'Union africaine à mettre terme aux conflits armés qui sévit et fragilise le continent, notamment au Darfour et à l'est de la République démocratique du Congo, des conflits aux conséquences fâcheuses qui ont occasionné des milliers de morts, des réfugiés, des mutilés ainsi que de graves violations de droits de l'homme. L'ambitieux projet des États-Unis d'Afrique qui envisageait une force militaire africaine conjointe, une monnaie unique et un passeport africain permettant la libre circulation en Afrique des ressortissants de tous les pays africains, défendu par le guide libyen, n'a jamais fait l'unanimité des dirigeants. Ainsi donc, 50 ans après, force est de constater que l'organisation a encore beaucoup à faire. Il appartient donc aux dirigeants de se resserrer les mains pour envisager un nouvel ordre pour l'Afrique, ceci pour faire taire à jamais tout ce qui freine le développement du continent. En marge de la cérémonie officielle qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie, une cérémonie similaire axée sur l'évocation historique de cette organisation s'est déroulée hier matin à Brazzaville à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères et de la coopération sous la houlette de Firmin Ayessa, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Miguet Mongula. Ce sont les hymnes de l'unité africaine et du Congo qui ont donné le ton à cette cérémonie consacrée à l'évocation historique de l'organisation africaine. Conformément à cette problématique, 5 allocutions ont été prononcées. C'est l'ambassadeur de l'Angola, Pedro Fernando, qui a ouvert le bal des allocutions. L'homme d'État angolais a dans son discours rendu hommage au père des indépendances, ces grandes figures de l'Afrique qui, à travers le panafricanisme, sont arrivées à unir l'Afrique à travers la création le 25 mai 1963 de l'OUA, devenue depuis 2002 l'Union africaine. Même son de cloche du côté de l'ambassadeur du Cameroun, Corridor Tshiboya, qui a axé son propos sur le panafricanisme et la renaissance, concept clé qui devrait emmener les Africains à la croyance et au changement de comportement. La voix féminine, représentée par l'ambassadrice du Sénégal, a édifié l'auditoire sur la situation globale de l'Afrique. Déclinons les différents mots dont souffre l'Afrique, Kane Batoura a appelé les Africains à prendre leurs responsabilités afin de rayer définitivement le paradoxe selon lequel l'Afrique est un continent riche mais peuplé de pauvres. Dans ce contexte de mondialisation de l'économie et des finances et de globalisation des échanges, l'Afrique, qui cherche encore son unité politique et économique, se trouve confrontée à plusieurs défis, dont celui de la lutte contre la pauvreté. 65% des Africains vivent en dessous du seuil de pauvreté, 40% des affamés du monde, 50% des victimes de la malnutrition, 90% des 300 millions de personnes souffrant du paludisme, 30 millions sur les 42 millions infectés ou affectés par le VIH-Sida sont africains. L'analphabétisme varie entre 50 et 70% de la population selon les pays. Et loin devant les catastrophes naturelles, les conflits armés restent la cause majeure de la mortalité en Afrique et le principal frein à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Le ministre d'État Firmin Ayessa, qui a valablement représenté le chef de l'État à cette cérémonie, a procédé à la restitution du discours du président de la République devant ses pairs africains à Addis Abeba. L'Afrique, mobilisée derrière les pères fondateurs, décidait d'écrire en lettres d'or la plus belle page de son histoire, en portant sur les fonts baptismaux la noble et mémorable œuvre d'intégration continentale qui,
dont ses objectifs et son architecture constituaient un défi appelé à traverser les temps et les âges. Alors que depuis sa création jusqu'à ce jour, l'Union africaine peine à accomplir ses missions qui lui sont assignées, pensent certains observateurs. Mais malgré ce tableau peu encourageant, force est d'épouser l'optimisme du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui rêve et croit en l'émergence de l'UA d'ici 2063. Après quoi